finit avec Kevin Paris en rouge, Ibrahim Ghanem en bleu pour Olney. On est soit 77 kilos sur le papier, avantage à Ibrahim quand même. Avantage à Ibrahim, mais Kevin a pu montrer qu'il était présent quand même sur ses championnats de France. Il a battu son collègue de club Brandon Ghiadem Kandem en demi-finale. Il va devoir quand même essayer de tenter des choses, Kevin, s'il veut pas voilà. Passer au sol dès le départ. C'est ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il fait avec un break star. Il y va sans complexe, hein, Kevin, face à Ibrahim. Ah, il a raison, il a rien à perdre dans cette finale. Il a déjà tout gagné en atteignant ce niveau de compétition. Ibrahim a remporté le championnat de France l'année dernière en 2021 et a participé au dernier championnat du monde. On va vite devoir sanctionner quelqu'un. Alors là, je pense que Kevin, puisqu'il est rappelé plusieurs fois alors par l'arbitre de tapis. Kevin qui va passer au sol en premier. Et un point pour Ibrahim Ghanem. Est-ce que se passe de cathédrale dans le palais des sports Ganiyanouche Saint de Besançon. Voilà. Ibrahim qui vient de faire une saisie ceinture haute. Qui descend. Deux points. Ouais, bien joué Ibrahim. La même. Il fait la même. Au deux. À droite. Ça fait 5-0. Déjà 5-0. Kevin, attention à pas fuir parce que les arbitres peuvent te sanctionner là si tu sors volontairement. Est-ce qu'il va proposer? Il a hésité, non, mais il va pas donné. Remise au centre. Et ça va repartir de bout. C'est plus juste. Ibrahim qui essaie de rentrer les bras dessous. Ouais, qui continue ce travail d'activité sur le haut du corps. Belle tirade. Bien joué, sauf qu'en fait c'est Ibrahim qui sort en premier pour moi. Est-ce qu'ils mettent les deux points de passage arrière ou pas au départ? Deux bleus sur la dernière et sur la dernière blanche. Donc ils mettent. Alors ils proposent deux points bleus. Et blanc en gros. Pas de points sur la sortie de tapis puisqu'ils considèrent qu'ils sont au sol. Je pense que je vois. Il aurait dû jeter tirade de bras, mais il réussit pas à faire son passage arrière. Ouais, 7-0, c'est compliqué de jeter. C'est vrai que il y avait mauvaise décision sur le challenge, ça termine à 8-0. Prise manquée de Kevin. Voilà. Ah, prise manquée, non? On repart debout avec 0 points. Moi, je voyais une tirade, bon après. On voit qu'Ibrahim il fait ce travail de préparation en amont pour aller chercher cette tirade de bras. Et deux points pour clôturer le match. Finale assez déséquilibrée quand même. Bon, elle l'était sur le papier, on s'est pas loupé. Hein. Sur le tapis c'était un peu pareil. Kevin est déjà arrivé en finale, c'est très bien pour lui, à lui. Et surtout bravo à Ibrahim Ghanem qui remporte. Une fois de plus, un titre de champion de France. Deux finales, deux titres pour le comité d'Île-de-France qui commence très bien ce championnat en lutte gréco-romaine.